Et j'avais chopé la bombe d'un mec et je l'avais d'un squelette et je l'avais ramené sur le bateau. Est-ce que si je retire le harpon derrière, je peux renvoyer la bombe à un autre endroit? Chaud.
Et On peut quoi? bonsoir le live. Bonsoir le live. Alors. Pour cuisiner les bananes, là, il faut les laisser longtemps ou quoi? J'ai jamais fait cuire les bananes. Après, elle va devenir toute noire. Après, peut-être qu'elle rapporte plus si tu la cuis. Tu veux dire quoi, en bouffe? Ouais, jamais essayé. En HP, mais j'ai jamais essayé. Ah non, j'ai brûlé un aliment. Ah, pareil. J'ai après, jamais essayé de la manger après une fois cuite. C'est comme jamais essayé. Ouais, à mon avis, c'est pas génial. Par contre, l'oublie pas, sinon ça va foutre le feu au bateau. Ça. Ouais. Bah écoute, c'est pas génial non plus. Ouais, bah c'est pas bien grave. Hein. du coup. Ok. J'essaie de me familiariser avec le bateau. Fait. Faites connaissance. Ah ben chaque bateau est différent, oui. Ouais, moi je pense que je vais rester au snipe déjà de base. Ça me paraît être une excellente idée. Ok. Et c'est pour écrire. Ah. Je peux jouer de l'accordéon. Si tu appuies sur le bouton, t'as d'autres instruments. Ok. Et à partir du moment où tu joues, tout le monde joue la même chose. D'accord. Oui. C'est exact. Coup, on partira sur quoi? Comme tu veux. C'est bizarre, j'ai pas le son du jeu. T'as pas le? Le son du jeu. T'as pas le son du jeu. Non, j'ai que vous. Est-ce que dans ça, ça vient pas du fait que de tes écouteurs. Est-ce que tes écouteurs, ils envoient à la sortie de tes enceintes, enfin de tes écouteurs Bluetooth? Ah normalement, que... ouais. Dans paramètres audio, t'as dans, quoi? Est-ce que dans le mélangeur, du jeu. Ouais. Dans les paramètres du jeu? Ah, d'accord. Ouais, déjà. J'aurais plus pensé au, ouais, j'aurais peut-être pensé au mélangeur, quoi. Non, bah, déjà. Ouais. Non, mais les volumes, déjà, ils sont bons. Ouais, les volumes sont bons. Ok. Du coup, après, oui, t'as le mélangeur audio de Windows à vérifier. C'est. Je fais CTRL-G? Soit CTRL-G sur ton bureau, sur l'icône. L'icône du son, tu fais clic droit, mélangeur de volume. Windows G, je sais pas si tu as le... Ouais, c'est bon. Ah oui, tu as le mélangeur audio sur ah, Windows ouais. G aussi. Ouais, si, normalement, il y a... Sea of Thieves, ça y est. Bizarre. Ah. Est-ce que il faut que tu regardes dans les paramètres de Windows. Alors attends, je vais te dire où. Confidentialité. Je vais voir. Dans quoi ce truc? Dans voix. Non, microphone peut-être. Non. Non, ce micro, c'est vraiment que le micro. Voir si tu l'actives pour les jeux ou pas. Non, normalement, le son, il est activé de partout. Hein. Regarde dans ton mélangeur audio de Windows, en bas à droite, là. Tu cliques sur l'icône du son, tu fais ouvrir le mélangeur audio. Et tu, ouais. regardes si ça bouge quand tu joues à Sea of Thieves, si ça module. S'il y a des barres vertes qui apparaissent ou pas. Ouais, je vais regarder ça. C'est bizarre. Et il y a une petite barre verte qui... Il y a une petite barre verte qui pop, mais elle est toute petite. Ah, c'est que le son, il est pas fort, en fait. C'est pas que tu en... c'est pas qu'il n'y a pas de son, c'est que tu l'entends pas, je pense. Est-ce que la barre de volume, elle est à fond, là? Ouais. Mmh.
étonnant tout ça. Ça fonctionne. C'est Pas quelque du chose? tout. Non? Non. Et là, non. Bon, écoute, c'est pas grave, on s'en fout. Mais t'as jamais eu le son du jeu ou c'est juste là que tu l'as pas? Si la dernière fois je l'avais. On est d'accord Pas que grave. Windows il envoie le son sur tes écouteurs. Bah ouais, comme vous et vous. Et attends, je vais sur YouTube. Que ça fonctionne? Non, ah, j'ai peut-être une. Peut-être. C'est que Windows il Parce doit pas que envoyer j'ai. de son vers tes écouteurs. Non, c'est parce que je crois que j'ai activé le. Je crois que le problème, il est sur Discord. Ah, de couper tout son extérieur. Ouais. Ah, ouais, ça c'est pas. Oui, non, c'est pas ouf ça. Faut pas trop faire ça, je crois. C'est la suppression du bruit. Voilà. J'ai enlevé la suppression du bruit. Ça fonctionne maintenant. Normalement, suppression du bruit, c'est pour le micro, mais bon. Ah bon? Bah, je sais pas, c'est pas grave, on s'en fout. Oh, t'as un chat! Ouais. Marco! À défaut de l'avoir dans la vraie vie. Je l'ai en vrai, en virtuel. Non mais parce qu'il a mis un chat et il a appelé Marco. Tiens, il est là. Tu peux le prendre si tu veux. Il est où? Là. Derrière toi, à ta gauche. Non, là, là. Ah, oh, il y a Marco. Non mais, hey, Flo. Oui? Il est où le chat? Ah, le chat? Là? Tu peux le Non! mettre. Tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Non! Marco! Il a mis Marco dans le canon! Il a tiré Marco avec le canon! Tu as réalisé le rêve de Benoît là. Il est pas content là, Marco, hein? C'est chaud. Il revient vite en plus, t'as vu? Il aime pas trop l'eau. Il nage bien. Il nage très vite. Bon, du coup. Ça va, Benoît? Ah, il est sur le chat de Discord. Moi. Du Twitch. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, une quête pas trop longue, si ça vous tente. On n'a qu'à faire la première du Shardbreaker. Ouais, écoute, oui, on peut la faire en. Oui, vas-y, hein. C'est pas trop long parce qu'on la Vas-y. connaît. Il l'a pas Ouais, fait. ça va. Ce serait une quête d'une heure, c'est possible une heure? Ouais, c'est à peu près 1 heure, ouais. On va. Et viens avec nous. Ben ça y est. Allez. S'il n'y a pas de quoi que 1 heure, je pense que ça peut passer. Allez. Alex, tu viens valider le. Ben, y a Flo qui vient. Enfin, je viens avec toi aussi, mais c'est Flo? Flo qui le fera. Flo? Ah ouais. Ouais, je suis là, je suis là. Faut juste qu'on vote Monsieur, monsieur la Mozork. quête. Là, avec Loïc au fond. Viens à côté de moi et là tu as un livre à Ouais. côté du monsieur et il faut que tu la valides. Voilà. Allez, on est en quête. Du coup, tu vas avoir un petit livre et il va falloir le lire. Ok. Alex, tu connais la touche? Après, tu appuies sur espace et tu vas sur le livre et tu Ok. relâches tout. Croquenasse et Croquelot. Tu tournes les pages avec E pour avancer et A pour reculer. Ok. Et tu fais un clic gauche de souris pour mettre le livre devant toi. D'accord. Brise égale lame, brise égale brume, Shroud Breaker.
Je vais cumuler cette merde un peu en plus. Ok. Et c'est important ce qu'il y a dans le livre? Ouais, c'est ben, c'est l'indication pour faire la quête. Et il n'y a que moi qui ai ça? Non, non, on l'a tous. Non. Mais c'est à toi de Ah, ça va. réfléchir. Parce Ok. que nous on l'a déjà fait. Plusieurs D'accord. fois. Bon. Ah, Ouais, d'accord. on fait la C'est première gentil. quête. Mais c'est pour Flo, il a jamais. Il a pas fait les quêtes encore donc. Donc, il faut qu'on parte. Ok. Bon, du coup. Oh putain. Salut Omega, comment tu vas? Du coup, on se retrouve sur Sea of Thieves encore. C'est qui? Ah. Omega, il était passé une fois sur un live Sea of Thieves. Ah, Donc il il a joué avec faut vous? être. Non, non, il était passé. Il nous avait donné des conseils. D'ailleurs, je me souviens même plus de ce que tu nous avais donné comme conseil. La dernière fois, quand tu m'as dit Ah que tu bah étais écoute, passé, je me suis. J'ai s'il y essayé a de des chercher, conseils de à prendre, savoir. on écoute, hein. J'ai essayé de me rappeler de ce que tu nous avais conseillé. Mais je t'avoue que j'ai complètement oublié. Alors peut-être parce que c'était tellement évident que du coup. Chiffre entre 1 et 100. Le chiffre entre 1 et 100. Par rapport à quoi? Tu veux que je t'en donne un ou c'était par rapport au conseil ça? Je crois que le voyage, il faut aller entre Crooked Mast Ouais. et Crook Solo. Je vais te donner quoi? Allez. Je vais te donner quoi entre 1 et 100? Alors, là, j'ai Crook Solo. Attends, j'ai eu mon chat hier, on était le 28, donc je vais dire 28. Crook Max. Et du coup, je sais pas du tout où aller, mais. Bah, attends, tu nous as dit quoi, Flo? Bah, entre ces deux îles, il y a quoi? Ah. Ah, ça c'est bien, Flo. Regarde, alors tu vas voir, il va y avoir un animal pas très loin. Oui, il le connaît. L'autre fois, il m'a dit, il y a un requin qui nous suit. Non, c'est pas un requin. Alors, c'est Ça. plus ou moins un requin. Oui, mais bon, c'est Ah, un parce qu'on est sacré en mer requin. là, putain. Oui, on est en mer. Ouais, Flo, Je suis avec mon livre. on est en mer. Mais ouais, mais Du parce que coup, je sais pas où on va. Bah, Bah, tu l'as dit, t'as dit qu'on devait aller entre Crookenmast et Crookolo. Du coup, il faut que tu faut me que tu ailles donnes une sur la direction pour carte. qu'on arrive entre les deux. Regarde, descends à la Ah. carte. Regarde, va à la carte. Vas-y. Et tu cherches les îles. Et tu nous donnes. Ok. Tu nous dis où est-ce qu'il faut qu'on aille. Oui, Omega, du coup, en fait, le Mozorg Sama qui est avec nous, c'est sa première fois. Enfin, sa Deuxième, première fois. deuxième. Deuxième fois. Mais c'est sa première quête. Le Shardbreaker, du coup, il Mais découvre c'est le jeu trop un petit grand, peu. c'est pas normal. Du coup, Alex, vous en sortez à la carte? Oh, Omega, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Tu es le premier, et c'est pour ça que tu vas avoir une place de choix sur la chaîne, le premier à faire un don. Merci beaucoup. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, merci. Merci pour des cailles. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais rejoint le Discord, mais je crois que tu n'avais pas validé ton entrée. Faut que tu ailles dans les règles et que tu mettes le petit la petite émote. Comme ça après je t'attribuerai un rôle un petit peu spécial Les copains, c'est pas que pour tes je beats. c'est pas que je vous ai pas, En tout mais cas, merci je beaucoup, comprends. ça fait très plaisir. Alors Qu'est-ce qu'il tu y a? trouves pas Flo? Moi je veux. Ouais, je veux bien que vous m'aidiez un peu. Alors Pas de problème. on Alex est avait avec dit quoi toi. que c'était quoi déjà? Croquenmas et Croquelot. Alors Ah ouais, regarde Flo, Alex. tu as Crocolo ici. Ouais, je le trouvais Mast pas. ici et du coup on va faire à peu près entre les deux donc ça va être par là. Hop. Ok. Il me Et donc faudrait du une coup cape, il va s'il vous falloir plaît, après. qu'on navigue ici. Alors et du coup donne un cap à Loïc, je te laisse faire. Du coup, là, il faut que tu ailles ben, tout droit, continue tout droit. Là, c'est direction sud-est. Ok. Hop Omega, donc je vais te donner un rôle. Hop. Ça va, ma chérie? Petit rôle VIP. J'ai pas encore fait de règle spéciale pour les VIP, je ferai ça. Alors du coup pour le moment t'es le seul.
dans ce cas. Mais si un jour, Inch'Allah, il y en a d'autres, hein, et ben, vous serez entre VIP et vous aurez T'es des bien un peu petites choses plus en à l'aise. plus. On fera. Moi, j'ai prévu de peut-être faire des concours et ce genre de choses Oh merde. pour les personnes qui sont présentes sur la chaîne. Oh merde. Problème. Voilà. Bah oui, y a personne qui m'a annoncé qu'il y avait Oui, un ben caillou, je sais, ben j'étais en train d'aider Flo, j'étais en train de parler au chat, j'étais en train de. Alors attends, Vous checkez si qu'on coule pas? vous voyez, Flo est en train de réparer le bateau là. Mais en fait, j'arrive pas, je sais Bon. pas comment on fait. Alors en fait, il faut que tu appuies sur A pour que tu aies accès à ton Ah. inventaire. Et là, tu choisis des planches de bois et tu répares. Alors après, si t'as pas de planches de Ah, bois, c'est sûr d'accord. que ça marchera pas. Ensuite, là, tu Si, peux, si, si, dans j'en ton, avais. là, tu peux prendre dans ton inventaire le seau. Ok. Pour prendre l'eau qui est par terre et la jeter en dehors du bateau. Ah ouais, ça je peux Ouais, faire. parce que... Ça c'est dans mes cordes. Hop. Je voulais venir Le saboter le cap est... navire, mais je n'ai plus d'abonnement. Comment ça, tu n'as plus d'abonnement à quoi? Le cap est bon, Alex. Le quel Online. cap? Oh. Oh, Omega, tu fais plaisir. Merci beaucoup, Omega. Alors attends, parce que du coup je suis tout chamboulé moi, parce qu'il y a des bits qui tombent de Ben... partout, à ne pas confondre avec autre chose. Ouais, tu peux garder ce cap là, sud-est, c'est pas mal. Ouais, tu peux garder par là, ça fonctionne. Ah, mais tu avais pas le jeu toi, Benoît? Tu l'avais que sur le Game Pass? Bah écoute, pour toi c'est pas beaucoup, pour moi c'est mes premiers, c'est les premiers bits qu'on m'offre, donc pour moi c'est beaucoup. Merci, merci encore. Tu es riche. Et je suis riche Riche de cœur. de cœur, voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on est dans le bon cap? Est-ce que J'ai Monsieur vérifié Mozart. là et on n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Omega, c'est énorme. Merci beaucoup. Non, mais un bit 5 centimes, mais c'est même pas tant la somme, tu vois, qui fait que c'est Va un peu plus à juste le fait l'est. de le plaisir de recevoir, tu vois, c'est ça. Un peu Oui. plus à l'est. Oui, Ouais. remonte un petit peu vers l'est. Pars un peu à l'est. Je vais On est voir pour encore les loin ou voiles. pas? Oui. Merci On beaucoup, va Omega. J'ai dire le donk dans les oreilles. Je sais pas s'il y est dans le. Si tu l'as dans le live, moitié. normalement, je pense que oui. Et ça fait plaisir d'entendre le donk. Ouais, pour le vent, on fera pas mieux. Toi, ton cap, il est. Le Je cap est pense. bon. Le cap est Tu peux y bon? aller. Le Allez. cap est bon. Ouais, va encore un peu vers l'est. Reprends vers l'est. Et essaye de voir, toi, Mozorg, si tu vois une île. Genre en face de nous. Bah, j'ai mis un dong tout simple. Mais je veux. Je suis en train de personnaliser un petit peu toutes les animations du live. Petit à petit, les Il y a une île raids un et tout peu à ça. notre gauche. Ouais. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait correspondre à celle qu'on doit rechercher? J'en ai Alors. absolument aucune idée. À gauche, c'est plus un caillou qu'une île. Tu peux prendre une longue Ouais. vue pour regarder. Ah ouais, attends, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois à peu près à quoi elle doit ressembler, lui. Ah bon? Sur le Ben, livre? non, non. Ouais, sur le livre. Ouais, bah c'est possible. Ah, mais attends, est-ce que Le ce serait caillou. pas un navire? C'est toi le Est-ce que caillou. ça serait pas... Alors, va à l'est, Loïc. Ouais, j'ai vu. Complètement à Je vais l'est. voir la carte. Je vais voir la carte. Tu gères tout seul, en fait, si tu veux. Je C'est m'occupe de Flo, tu gères le bateau. ça, si tu veux. C'est moi le caillou. Alors, Par tu contre, les peux copains, de. c'est la première fois là qu'on a la brume. Enfin, Regarde, ou c'est Flo. rare, moi, d'avoir. Ouais. Regarde en face de nous. Ouais. Alors, va sur la pointe, enfin, sans tomber, bien sûr. Est-ce que Au tu vois pire, pas si quelque justement il y chose? aura un taxi. Hein. Ok. Là, j'ai la longue vue. En face Ouais. de nous, il y a un caillou. Un caillou? Ou une île, qui sait. Moi, je vois Ah, il y des a des palmes. épaves. Tu vois pas des arbres? Des arbres. Il y a Oui. des arbres. Oui. Alors, en Terre face. en vue! Pas de ce Il faut côté-là. aller. Terre en vue! Pas de ce Faut aller un côté-là. peu à tribord. Non, 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 ne l'écoute pas. Pas de ce Ah. côté-là, en face de nous. Devant face Terre en alors. vue! Quoi, qu'est-ce Ah, qui se terre. passe? Oui, Tu regardes pas en juste en face face, là. c'est parfait.
C'est juste en face, c'est parfait. Comme l'a dit Alex, tout pareil. Je suis nul. Pas grave, t'inquiète. Après, si tu veux, Ouais. regarde, tu peux monter en haut du mât. Tu vas avoir une vue d'ensemble encore plus grande. Ouais, parce que de toute façon, quitte à servir à rien, autant grimper. Oméga, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. C'est excellent. Tu me fais sonner toutes mes alertes. Du coup, on en est où là? Parce que On moi, je en la est vois où? pas, l'île là. Alors on se rapproche beaucoup. Flo, est-ce que tu la vois? Si oui, descends. Si tu la vois pas, descends aussi. Parce qu'il va falloir que tu tires Je la l'ancre. vois, je la vois. Allez. Ah, donc je tire l'ancre. Ouais. C'est chaud. Ah, tu vas Je bosser. viens. Ah, je suis désolé, Ah, tu vas c'est chaud. bosser. Reste sur le cap, Loïc. T'éloigne pas Non, trop. mais je voulais. Parce que le fond de l'île. C'est génial. Bon, vous pouvez tirer le câble, hein? Merci. Ouais. Allez, c'est parti. Vas-y, tire le câble. Voilà. Ouh, Allez, ça va toucher? je te laisse. C'est bon, On ça a pas laisse Flo touché. aller chercher. Ouais, je sais plus ce qu'il doit chercher là d'ailleurs. Je dois Un chercher collier avec le tu navire. sais, Ah les oui, c'est notes là. le bateau qu'il doit trouver. Écoute, ça sonne bien. Tu peux y aller à coup de 1 beats à la fois. Ça, tu le fais sonner souvent. Mais Alors, comment tu fais pour courir dans le jeu? il faut. Mais non, en gros. Ah voilà. Merci. Le premier sub. Franchement, je vais devoir faire un super VIP, un rôle super VIP pour toi. Merci beaucoup, Omega. Ça fait très très plaisir. Tu es le premier sub de la chaîne. Tu es les premiers bits de la chaîne. Tu es les premiers dons depuis que j'ai vraiment repris le stream de la chaîne. Merci beaucoup. Réparer le navire? Pourriez-vous qu'on répare le navire? Oui. Qui c'est qui veut réparer le navire? Je Alors, sais pas, mais c'est qu'est-ce fou, que je je dirais pas. cherche, putain? qu'est-ce que tu cherches? Oh, Regarde que dalle! la dernière page. Bah, en plus, Ah. là, il faut que tu saches, sur la carte, il te marque les pétales. Les pétales, putain, je sais même plus parler. L'épave se trouve maintenant sur cette île non répertoriée. Donc, tu sais que tu dois chercher une épave. Ok. Voilà. Du coup, Bon, une épave, souvent, c'est dans l'eau, hein. Ouais, Ah putain, je suis généralement. con, hein. Ça plonge une épave. Ok. Attends, je vais juste relire le. Vous pouvez me relire la dernière page et Allez, j'y vais. je vais te faire de la lecture, Flo. Oh, Le elle est là. journal de bord a coulé avec le navire. Il est où? Sans lui, impossible de tenir le coffre. Quelqu'un d'autre risque de trouver le Shardbreaker. J'aime Ah, les coups. yes. Bon, ben là, allez, vas-y, Flo. ASMR On croit en lecture. toi. Attends, Normalement, c'est un truc qui brille, hein. on a essayé. Le journal de bord a J'essaye. coulé Je avec suis le dessus, navire. mais. Sans lui. Tu trouves? Alors attends, j'essaie de reprendre un peu mon souffle et après je reviens. Ah oui, meurs Parce pas que en noyé, fait ça serait j'ai. con. Bon, je te laisse chercher, moi je les ai trouvés. Mais en fait je sais pas comment on les chope les. Normalement, c'est avec Ah voilà. F. T'as trouvé quelque chose ou pas? Il est où? Ouais, un journal de bord. Yes, nickel. Yes. Voilà, ben c'est bon, Avec on a une la voix suite. suave. Ah, mais je peux pas te faire la voix suave et la voix ASMR en même temps. Ça, c'est. Ça marche pas. Je suis sûr qu'on est capable. Attends, on va d'abord aller sur le bateau. Ah putain, là il va falloir qu'il se remonte, il va falloir refaire l'histoire là. Il va peut-être falloir que tu le guides un peu, Pourquoi? Alex. Bah là tu sais, c'est quand tu lis la fable, là tu sais, c'est. Ah, oui, bah On est je... parti, Ouais. on a allongé le truc. En fait, si tu veux, là, on va devoir trouver une île, Flo. Elle est pas nommée. Sur les pages que tu viens de trouver de la fable, parce qu'en fait là on vient de trouver des pages de fable, donc sur ton livre t'as plus de pages qu'avant. Ok? D'accord, ok. Et avec les indications qu'on a, il va falloir qu'on essaye de trouver une nouvelle île. Enfin, elle n'est pas nouvelle, hein, elle existe, hein, mais nouvelle parce qu'il faut qu'on y aille. Wings. Donc essaye de lire un peu, essaye de comprendre, et après moi je te ferai la lecture pendant que tu seras sur la carte pour essayer de trouver l'île qu'on cherche. Alors, jeter l'ancre au sud Discovery Ridge. En fait, il faut faire plusieurs trucs, c'est ça? Alors non. En fait, il faut que t'ailles, il faut que, en fait, il faut que tu lises le livre devant la carte. Ok, d'accord. Enfin, Et moi je te le tu. lirai parce Ouais. que tu peux pas, pourras pas faire les deux. Ouais, voilà. Mais en fait, si tu veux, c'est qui
C'est un journal de bord, donc c'est à 7h30, ils ont jeté l'ancre à un endroit, puis après avec le temps, Oui. ils ont bougé. Et en fait, nous, on doit trouver l'endroit où ils ont jeté le coffre, je crois. Ok. Et parce qu'on doit récupérer ce coffre. D'accord. Donc t'es sur la carte? Alors, sur la Ok. carte. Alors, il faut que tu trouves Discovery Ridge. Alors, Discovery Ridge. Prends l'accent canaille. Trouver Discovery Ridge. C'est Flo qui le demande. Je suis une canaille, moi. Normalement, ça doit être dans la zone où on était. C'est un peu le même secteur. T'as pas besoin de t'éloigner énormément. De mémoire, après. Enfin, je sais que c'est toujours par zone les quêtes, surtout les premières. Ma foi. Pas si je me Non, souviens. mais je fais par cercle concentrique. Oui, après tu peux. Tu utilises les. Ta façon de chercher, hein, y a pas de soucis. Je suppose que contrôle F ça fonctionne pas. Non, t'as pas de contrôle F là. On n'a même pas de carte quand on descend du bateau pour te dire à quel point le contrôle F ne marche pas. C'est où Discovery Ridge? Bon, c'est une grosse île, hein. Après, tu peux monter, hein, tu. Bon, il est déjà, ça fait 3 fois qu'il passe devant, mais on va y arriver. Oh putain, il est là. Yes, alors ils ont jeté l'ancre au sud de Discovery Ridge. Après, donc le Ok. Burning Blade, à savoir leur bateau, non, c'est le bateau qui les chasse, je crois. Ils ont fui vers Oui. l'est. Ok. Ensuite, ils ont dépassé une île fortifiée à tribord. Donc en allant vers l'est, ils ont vu une île fortifiée. L'avant-poste de Plunder. Alors non, c'est Non, pas un une île fort. fortifiée, c'est un fort. Ah, Lost God Fort, c'est bon, Voilà, je l'ai. il était à tribord de leur bateau. Et là, ils Ok, sont partis donc. au nord. Et là, ils sont partis au nord. Ok. Ouais. Et Chicken Isle. ils ont jeté par-dessus bord au sud d'une petite île, le coffre. Bon, ça serait Chicken Island. C'est soit Chicken Isle, soit Fool's Lagoon, un peu plus haut. Ok, bah donc on va prendre la première île. Allez, c'est parti. Du coup, c'est quel cap? Nous, c'est nord. Nous, là, tu vas partir direction ouest et sud-ouest. Sud-ouest. Par rapport à nous, on part dans sud-ouest? Ouais, on va faire Ouest, un petit ouest, sud-ouest, ouest, tu vois, sud. tranquillou bilou. Voilà. Alors, je vais te remonter la voile pour qu'on tourne plus facilement. Alors, il y a Ouais, ça, Flo, vas-y. aussi. Si tu veux que le bateau il tourne plus rapidement, pour faire un demi-tour par exemple, quand il y a l'arrêt, tu remontes les voiles avant de remonter l'ancre. Et comme ça, tu Ok. peux tourner en faisant du surplace. D'accord. Ouais, On parfait. l'avait fait l'autre fois. Et vous avez fait quoi du coup la dernière fois quand vous avez. Enfin, du coup, à la première partie Ouais. là. Collectionneur d'or. On a fait que des trésors. Ok, d'accord. Ça m'a permis d'avoir ce magnifique crochet. Boulet de canon ou bien le boulet? C'est-à-dire le boulet Flo, le boulet? Mais non. Tu peux un boulet? Je suis un débutant, un C'est Noobix. Banana, il te traite de boulet, je crois. Oh, d'accord, c'est banana, ouais, c'est Ah, si traditionnel. c'est banana. Ah, pour le chat. Ah non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Désolé. Ah, ouais, mais dans tous les cas, c'est une crapule. Il joue toujours les nains. C'était pas très clair le message. C'était pas pour toi. C'est pour le chat. D'ailleurs, Ben. je t'ai pas dit, Benoît, enfin, je sais pas si tu l'as vu passer, j'ai adopté un chat. Mais un vrai, hein. Un vrai chat. Attends, je vais te le montrer. Enfin, je sais pas si on va bien voir. Alors, il y a un chat sur ce lit. Attends, je vais changer de couleur la lumière, on va mieux voir. Hop. Essaye d'aller un peu plus au sud. Un Plus au poil sud. plus. Allez. Une petite seconde, hop. Essaye de Ouais, passer. espèce de Tu vas voir, perche il va y avoir humaine. le fort des damnés. Fort of the Damned. Et la petite femelle, là, Essaye elle de fait dodo. passer à bâbord. Ça fait genre. Alors moi, les îles sont loin là, donc je sais Bah pas. vas-y, Il est continue comme ça, 18h. là comme t'es. Ça doit faire Tout 3 heures droit qu'elle est comme en train de ça? dormir, Ouais, tout droit comme ça, c'est bien. là. Allez, écoute. C'est parti, hein. Et là, tu t'es réveillé ou pas? Alors Non? je sais pas si les forts, il faut les esquiver de loin ou pas.
Bah, il est dur le réveil. Hein. Si on s'arrête pas, ça va, mais des fois ils attaquent de loin, ils balancent des boulets. Bah alors, mets-toi un peu plus au sud. Un poil plus. Bon, après, ça risque hyper rien. Il est calme, mon gars. C'est un truc de fou comme elle est calme. Ça n'a pas. T'as l'air de faire des crêpes ou quoi? Non, non. Elle fait un. Tu fais quoi, Momo? Ah, purée, je croyais que c'était Amaury. Non, non. La sauce de la salade. C'est dur à suivre un moment. Ça... Elle fait de la salade, mais elle est en train de la, elle est en train de la hacher, la salade. Non, elle est très gentille. Elle est gentille, la salade. Mais non, elle hache pas la, elle hache pas la salade. Elle est en train de faire une jolie sauce, c'est belle. Ouais. Putain, elle est en train de lui mettre sa mère à la salade. À la salade. Met sa mère. Elle lui met sa mère. Exactement. Bon, je suis prêt, je suis au. Tout à l'heure, Omega, tu reviens quand tu veux. Je pense qu'on est là au moins jusqu'à 19h, 19h30. Et ouais, peut-être plus tard, on fera autre chose. Peut-être vers 21h, on jouera peut-être à autre chose. Peut-être que ça sera du Sea of Thieves, je sais pas. On verra tout à l'heure. Moi, je suis OP toute la soirée. Après, ouais. Voilà, si vous faites autre chose, faites autre chose. Moi, je suis OP. Remonte un peu vers l'ouest. Alors après, je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je ferais bien une partie de Scribble ce soir. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi, tu veux jouer au Scribble ce soir? Allez, franchement, pourquoi pas? Ouais, comme ça, on se met à plusieurs. On peut tous jouer. Et Omega, si tu veux nous rejoindre, tu es le bienvenu. Enfin, si tu es encore là pour entendre ce que je te dis. Ou je le dirai sur le Discord tout à l'heure. C'est super sympa, n'empêche de sa part. Oui. Oui, oui, oui. C'est cool. Bon, on est sur la bonne route. Ben, face à nous, il y a un bateau pirate. Alors, tu vois, Flo, pendant que. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un cap, tu vois, de donner un cap aux autres et de d'éviter de rester dans la cave. Ah, d'accord. Pour que tu puisses, oui, en fait. Essaye d'aller un poil plus au sud. Va à gauche, voilà. Va à gauche, voilà. Va à bâbord d'abord, avant d'aller au sud. Parce que viens, regarde, viens monter, voir. Voilà, tu vois, là, il y a un bateau pirate qui va peut-être nous attaquer. Et après, il faut rester attentif parce que Loïc, il voit pas forcément parce qu'il est à la barre. Il pourrait y avoir des rochers ou ce genre de choses devant nous qui sont pas indiqués sur la carte. D'accord. Bon, apparemment, il nous a pas pris en chasse, je crois pas. Bah écoute, tant mieux, parce que sinon, ça serait la merde. Je change un boulet quand même. C'est bizarre d'ailleurs. Non, je pense que comme il vient de spawn, il a peut-être pas chargé. Pourquoi encore tu veux bannir tout le monde? Mais tu les as les droits de modo toi déjà, Benoît, je crois, sur le Discord. Mais pourquoi il est modérateur lui, hein? Ben alors, attends, je finis de parler à Benoît, je lui donne. parce que du coup, je crois que je t'avais mis les droits de modo, mais alors, ah non, peut-être que je t'ai mis modérateur. Remonte un poil plus à l'ouest. J'ai un mis poil, modérateur, poil, mais poil, j'ai pas mis de. On arrive bientôt. J'ai pas fait les règles du modérateur, je crois, plutôt. On est ok là? Fais attention, il y a un rocher devant. Ouais, bord. Je vois. Donc je changerai les règles de modération. Pour qu'il y ait un peu plus de droits. Ah, j'ai trop baissé. C'est cette île. Voilà. C'est cette île? Ouais. Je te ban que je veux devenir modo. Thomas ? Non, mais il est là, lui. Il arrive comme ça sans prévenir. Bon, ben, pense à tirer le. Ouais, ça, il a un peu prévenu, ouais, ça a fait digging. On est un peu tôt là, non ? Non, c'est là, je crois. Ouais, non, mais un peu tôt par rapport. Il va falloir nager, quoi. Mais non, c'est bon. ouais, Benoît, tu es pas modérateur. Ou alors tu es modérateur, mais j'ai pas mis de. Non, mais j'ai du statut, effectivement, où j'ai un statut particulier, mais je peux. J'ai pas l'intention. J'ai ah, ben bah, je changerai ça. Et du coup, pour te répondre, Flo, pourquoi il est modo? Ben parce que, oui, à la base, le Discord, c'était pour la chaîne de la Mifa Studio. Mais le truc, c'est que j'ai toujours pas la fibre et du coup, je peux rien faire. C'est ça. Donc du coup, je suis en attente de la fibre. Every time. Donc du coup... Flo... Et aussi parce que je suis tout le temps sur les lives, donc du coup je peux potentiellement gérer. Je le fais par contre, sur le live, t'es modérateur, je crois. Mais je crois que c'est pas Demon Banana que j'avais mis en modo, c'est la Mifa Studio. Donc je le mettrai Demon Banana.
Du coup, Mozorg, ils ont jeté. Attends, il y a des. Ah, vas-y, bah toi. Moi, je suis le voilà. Monsieur avec le livre et les lunettes, celui qui réfléchit. Vous faites les bruits. Donc, du coup, tu dois chercher au sud de l'île un coffre qui a été jeté par-dessus bord. Ok. Alors, boussole, merde. Ah, déjà, il y a un truc. Ouais, ah, c'est une émeraude de sirène. Ça vaut des sous. Eh ben, on prend. Et là, il y a un coffre au trésor aussi. Il y a des sous dedans. Oh. Tu vois, quand tu vois ça, ce genre de coffre. Ouais. Tu, alors, c'est pas tous les coffres, c'est ceux-là, ça s'appelle les coffres au trésor. Tu peux les ouvrir et ramasser l'or directement. Ah, ben. Ok. Là, il n'y a pas d'or en fait. Il est vide celui-là. Et je peux peut-être mettre le. Tu peux mettre le rubis à l'intérieur, ou alors tout simplement le rubis, tu le mets dans. Dans le bateau. Ouais, c'est allongé. Vas-y, je le place là. Hop. Hop, il faut fermer le coffre, après on le ramènera, on le mettra sur le bateau. Donc du coup, au sud de l'île, tu dois trouver un coffre. Alors, le sud, c'est par là. Donc normalement, ça doit être par ici. Est-ce que ça va être... Alors, est-ce qu'il y a des indications? Ouais, l'indication, c'est tu vas sous l'eau et tu cherches le coffre qui est au sud de l'île. C'est l'indication que tu as. Donc tu vas sous l'eau. Quand tu es assez loin, tu le vois, ça brille le truc. Mais... Attention, il y a un requin, les copains. Ah, bon, on va se le faire. Ah, il y en a deux même. Et ils sont tous les deux autour de toi, Loïc. Oui, c'est normal. C'est parce que depuis tout à l'heure, j'attends Flo au-dessus du coffre. Mais du coup, je me suis fait croquer. Hop, un de moins. Il surveille le coffre. Ça pique un peu trop à mon goût. J'arrive, Loïc, j'arrive. Qu'est-ce que c'est qui pique ? Ah non ! Non, non, mais je suis mort. Qu'est-ce que c'est qui pique, Benoît ? J'ai trouvé le coffre. Je suis en train de jouer à un jeu et je suis en train de me faire défoncer. Ça pique. Ah, pourquoi ? Ah merde, attends. Tu vas mourir, non ? Ouais. Ah bah je suis mort. Vous deux ? Si t'as de la bouffe sur toi, puis sur 3 pour manger. Belle, tu as le coffre. Bon bah là tu peux pas manger avec le coffre. Bah, ramène-le sur le bateau. Je vais ramener ce que tu as trouvé tout à l'heure. Ah, il y a un bateau pirate de l'autre côté. C'est celui de tout à l'heure qui nous a suivi, ça. Ah, peut-être, au final il est venu. Ça c'est pas très bien ça pour nous ça. Non mais il est le bateau. Non mais il est pas sur de notre côté de l'île. Il est pas du même côté que nous, il est de l'autre côté. Bon en fait tu me diras, c'est pas une grande île mais. Ouais, il a ramené le coffre. Ok, bah il faudra que tu penses à l'ouvrir. C'est celui-là qu'il faut ouvrir? Il y a un truc dans celui-là? Ah oui, il y a la suite de la quête, hein, évidemment. Tout simplement. Comment je fais pour le jeter? Tu appuies sur X. Ah. Allez, je t'aime plus tes soins pour le moment. Sors là. Alors, je prends les pages. Voilà, c'est bon. Regarde. Il faut vraiment que tu la jettes. Et du coup, Benoît, c'est à quoi que tu joues? Et qu'est-ce qu'elle fait qu'elle joue? Ah, comme d'hab, Dofus. Ah, toujours Dofus, ok. X, voilà. Alors, maintenant. Pourquoi j'ai toujours proposé le voyage sur la table du capitaine? C'est chiant. Ah oui, mais ça, c'est un petit bug, ça. En fait, il faudra que tu fasses une partie tout seul. Tu prendras un bateau tout seul. Et il faudra que tu fasses une quête tout seul. Et après, ça partira. Okay. D'accord. C'est chiant. Si tu appuies sur M, tu peux le faire partir. Par contre, t'as toutes les aides du jeu qui partent aussi avec. Mais pendant que tu navigues ou ce genre de choses, au moins tu l'as pas. J'ai pas M. Enfin, ça fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ah, bon. Alors. Donc là, hop. Qu'est-ce nouveau... que ça nous dit? Nouvelle page. Le scarabée des grottes se cache près des larmes de l'île. Attends, on a eu quelque chose? Ah oui, on a eu le totem de scarabée. Ouais. Donc on a une île sur la carte et il faut que tu la trouves. Ok. Donc. D'avoir une île qui ressemble à ça. Je crois qu'on va placer dessus histoire que ce soit plus rapide. Nous allons à Croc Solo, les copains.
On va à Crux Solo. Attends, attends, que... c'est en haut, je l'avais. Là. Ouais. Hop, ça je l'enlève. Donc du coup, donne l'indication à Loïc de la position de Crux Solo. Et donc, il faut aller plein est. C'est plein bon, est. Tu l'as trouvé direct là, c'est cool. Bah, c'était... La map était de... Donc du coup on a remonté les voiles, on tourne le bateau. Est-ce que les coffres il faut les garder pour pour les revendre ou... Pour les revendre oui. Alors celui-là, comme c'est un coffre de quête où il y a juste le truc dedans, je sais pas si on peut le revendre celui-là. Tu crois? Je sais pas, on verra. Ouais, celui-là je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais oui, après tout ce que tu as à vendre, c'est dans les avant-postes. D'accord. Bon y a... après il y a quelques exceptions de quelques items. Que je crois qu'il faut trouver des personnes particulières sur les eaux quoi. Ok. Ah y a le bateau pirate là. Ouais, oui, mais il va pas chier, non. Il va pas nous faire chier. Ok ok. Alors. Quand tu vois des bateaux comme ça avec les voiles déchirées, ouais. C'est des bateaux pirates, c'est des PNJ du jeu, c'est pas des bateaux okay. joueurs. Par contre, quand tu vois des bateaux qui sont normaux et qui ressemblent aux nôtres, ça c'est des bateaux de joueurs et là ça peut être plus chiant. C'est des vilains. C'est des vilains. On est vers l'est. Essaye d'aller un poil plus à l'est. Ouais, ça va. Voilà, là t'es parfait. Normalement, tu vas tout droit et on est bon. Allez, je tourne les voiles pour prendre le bon vent. Alors, ça, vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Eh ben regarde, les voiles, t'as deux trucs. T'as ça. Pour définir la longueur de la voile et ça pour la tourner. Ouais. Tu te mets dessus et tu fais et en sorte que. Comment la tourner c'est, bah tu vas dans le sens des vagues. Du vent. Alex, on arrive un peu trop vite sur l'île. Va à droite. C'est pas la bonne île. Ouais. Quoi? Je crois pas que ce soit celle-là. Non, c'est pas la bonne, c'est bien ça. C'est pas celle-là? Ouais, mais c'est pour ça du coup on arrive droit sur l'île. Ouais, va derrière moi. Mets-toi complètement. Tu prends la direction complète vers l'est. Voilà. Complètement à l'est. Ouais, mais c'est l'île que je vois qui est le plus devant. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça doit être y a un petit sloop sur notre. Il y a un petit sloop à bâbord. J'espère qu'il va pas venir me casser les couilles. Ouais, non, mais ça va. On va avancer. Et oui, donc Flo, en fait, tu mets les voiles en fait pour que tu sois bien dans le vent. Et en fait, tu vas voir que dès que tu es dans le vent comme il faut, la voile elle va se gonfler. Hop, tu vois. Ok. Là, elle est pas bonne. Et là, pouf, elle est bien dans le vent. D'accord. Et des fois, quand il y a le vent de face, ben c'est chiant. Bah, ça des quoi? Comment? Ça ah décoiffe bon. Et tu peux faire coucou aux gens avec la touche W, je crois. Ils sont en train de vendre des poissons, ça, c'est 6 postes. Évite, parce que en fait, c'est pas que on pourrait. C'est juste que là, on est en mission, donc on fait la mission. Après, si tu veux qu'on fasse des tours de bateau pour tirer sur des joueurs ou d'autres bateaux, y a pas de souci. Non, ça me va. On va arriver là. On va arriver. Alors Loïc, ouais. Parce que voilà, parfait. Tu as compris tout seul ce que je voulais te faire faire. Non, mais c'est très très bien. Moi, je suis content d'avoir un matelot comme ça. Ça manquait de sérieux ces derniers temps. De notre côté, Alex, là, ça fait 6 fois qu'on l'a fait, nous. C'est vrai. On commence à la connaître. Ouais, c'est la 6ème fois. Ben, on a fait les 5 fois demandées par le Est-ce jeu. Que je... Est-ce que j'enlève. Et là, c'est la 6ème. Ah bah, l'encre pour l'instant. Alors, pas encore l'encre. Tu peux. Je vais attendre encore un peu. Tu peux te rapprocher peut-être un peu de l'île. Moi je vais essayer, mais bon, tu sais, avec un 2 mâts, c'est, ça tourne. Vas-y, tu peux lâcher, Flo. Tranquille. De toute façon, ça va tourner le rythme. Nickel. Et du coup, qu'est-ce qu'on cherche ici? On aurait pu continuer, Alex. Hein. Continuer où? Tout droit? Non, on allait toucher le fond. Là, si on continue, on allait toucher le fond. Mais non, mais dans le sens, continue à faire le comment tour. Comment je fais là, une fois que j'ai pris avec le harpon? Tu viens, alors là, je fais le grappin et viens, voilà, et là, tu te mets sur le côté. Mais c'est pour que Flo, il cherche comme ça. Il découvre. Vas-y, pas de problème. T'as raison. Parce que on avait dit qu'on avait une heure et là, ça fait qu'une demi-heure. Donc... Ouais, c'est bientôt fini, sinon t'as raison. Donc autant le laisser chercher maintenant.
Allez, ça me va. Attends, je t'arrête, est-ce que ce que... Ah. Ah, par contre, faut que tu fasses très attention, des fois t'as des squelettes avec des... Oh non, faut ouais, que ouais, pas je... Le... Ah, tu les connais? Ouais, je les connais, ouais. Ah, j'ai bon, fait péter bah... le bateau la dernière fois avec... Ah oui, oui, il nous a fait péter le bateau. Bon, bah alors... Alors bah, je voulais que tu découvres tout seul, mais c'est déjà fait. C'est fait. alors... En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à lire avec le bug là de monter à bord de votre navire. Ben, en fait, un voyage. En fait, le scarabée des grottes se cache près des larmes de l'île. Donc, en fait, ça, c'est ton indice, c'est okay. Ça. Le scarabée des grottes se cache près des larmes de l'île. Est-ce que tu as récupéré la petite statuette qu'on avait tout à l'heure? Ouais. Alors, il faut que tu la prennes avec toi. Ah, parce que là, je l'ai mise dans la cale. Ah, elle est dans le bateau? Ok. Bon, ben, le ouais. Mec, il va te la ramener. Je la récupère. Donc, d'ici du coup, faut... quoi, d'ici 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, on a fini? Ouais, 20 minutes à peu près. Oui. 20 minutes? 20 minutes? Bah, si tu te débrouilles bien, oui. Ah non, ouais, 20 minutes. Parce que, 20 en fait, minutes. Elle a fini la. Elle a fini la fondue. Ah. Bah, tout dépend de toi, gros. Plus tu te dépêches, plus vite ça sera bon. Hein. Allez, bah, allez, ce qu'il faut que tu cherches, c'est une grotte qui est près des larmes de l'île. Ok. L'arme de l'île, à mon avis, ça va être les... Les... Ah, putain de serpent. Je pense que c'est en bas à gauche. Toi-même, t'es en bas à gauche. Une grotte. Ah, voici une grotte. Ouais, il y en a une là. Le problème, c'est qu'il y en a un peu partout, des grottes. Ouais, parce qu'en fait, du coup, c'est une grotte près des larmes de l'île. Ah. Oh, il y a des champignons, c'est trop beau. Des champignons. Mais sir Frodon. Ah, d'accord, ok. Ça pleure, donc on n'est pas loin, là. C'est où que ça pleure? Ah. Tu veux dire la cascade, c'est ça? Ouais. C'est vrai que ça pleure. Là, faut que tu trouves quelque chose, du coup. Là, regarde, il y a des scarabées, là, sur le mur. Ah, putain. Ah, ah et ouais. Là, il y a des squelettes, là. Il y a des squelettes, là. Du coup, on a des scarabées, là. Dis où, Flo? Ouais, je suis là. Ouais, des scarabées, là. Il y a alors, là, il y a des scarabées. Ouais, ici, il y en a. Faut que tu cherches quelque chose dans le coin. T'inquiète, je m'occupe des squelettes. Alors, attends. Ah, clé requise pour déverrouiller. Ouais. Ah qui a le scarabée? Pas vous très loin, ouais. Ah, il est là. Oh, vous êtes trop fort. Bon, on est super chaud. À ta gauche, regarde à gauche. Ouais. Oh, nice. Bon, pour rentrer, faut pas qu'on nous dit, on rentre tous d'un coup, parce que sinon, ouais. Il y en a plein qui se retrouvent dehors. C'est bon. Hop. Et maintenant, il faut faire. Il y a une énigme ici. Donc, tu devrais trouver assez facilement. Ah, ouais, d'accord. C'est bon. Alors, ça. Ça. Okay. Hop, et là tu vois, il y a de l'eau voilà. Qui coule, donc mais on va se noyer si on se dépêche pas. Donc regarde, t'as des symboles au pilier. Prends ton livre et essaye de comprendre. Alors, comprendre. Quoi, mais je comprends que là. On a 4 poteaux avec des symboles. Ouais, je vois ça. Alors. Et il faut pas se tromper sinon on se noie davantage. Et si tu te rapproches des poteaux, tu peux bon, pour rentrer, les pivoter copains, les blocs. Ah d'accord. Ok. On va tu s'activer comprends. Parce que sinon on va crever. Non mais il est large le temps. Oui. Ok. Est-ce qu'on est bon? On a l'air bon.
Non, hop. On est pas bon. Il faut venir appuyer Floyd sur le bouton là au centre de la table. Non, Floyd s'est trompé. Floyd s'est trompé, bordel. Il m'a tourné encore plus le cube là. Encore. Tout à l'heure on était bon. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Vas-y. Maintenant tu reviens sur la table et t'appuies sur le bouton. Ah, d'accord. Okay. Et donc là, il faut qu'on fasse la deuxième. C'est ça. Ok. Et ok, ça a l'air bon. Faut appuyer encore. À chaque fois, il faut appuyer quand on a fini les. Nickel. Et la dernière. La dernière, ça va être. Ok. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Boulot. Bah, là ouais, on la goûte pas encore. On n'est pas très loin. Mais... on est bon là. Elle commence à être un peu au menton. Hein. Ouais, là elle ça commence va, à être. Les flammes, là. Bah, vas-y. Si c'est bon pour toi, on voit. Alors, Flo. Ouais. Comme tu peux le remarquer, il y a l'écran qui vient de s'allumer. C'est prêt dans le déclat. Ça va. Ok, ma chérie. De quoi? T'as vu, là, il y a un truc qui vient d'apparaître là. Alors, dans pas l'écran sur la table. Ouais. Voilà. Mais il faut chercher ça. C'est pas loin d'ici. Alors. Là. Je comprends pas. T'as une indication. En fait, c'est une indication. T'as une indication. Tu vois, sur le. T'as un dessin avec un caillou et un scarabée. Ah, mais c'est l'île, d'accord. Il faut que tu retrouves ce scarabée. Enfin, ce caillou. Et que tu creuses là où il y a le cercle. Ok. T'as plus besoin du livre là. Ouais, t'as raison. T'as besoin de ta pelle. Ouais, t'as besoin de ta pelle et de trouver ce caillou. Alors, mais le caillou il est où? Ben tu le regardes et tu sors et tu le cherches. Ah oui, c'est bon. En plus, j'ai vu tout à l'heure. C'est l'heure du. Ah, c'est quoi, il faut partir du bon côté. Ouais, non. Non. Ah, j'adore Loïc qui balance un petit cam en soum-soum. Oh, c'est con. Il l'a vu avant, c'est vrai. Canaille. Okay. Après, on dit que c'est moi la crapule. Alors, il faut pas creuser sur le caillou. Non, la pierre ne peut pas se creuser encore. Non, tu peux pas creuser le caillou. Je croyais qu'on pouvait. Yes. Allez, on te protège. Occupe-toi que du médaillon, toi. Mais comment je fais? Tu creuses. Mais tu continues à creuser. Tu creuses, tu le sors le médaillon et tu le ramènes sur la table. Et il y en a trois à faire. Bon, il y en a peut-être le dernier. Le dernier, on t'aidera parce qu'il est un peu plus complexe vu que t'as pas trop de temps. Ouais, le dernier, je pense que j'irai chercher moi. Ouais, ça va. Ouais, et là, je le mets sur la table. Dans la table en bas. Regarde, viens, recule. D'ailleurs, Alex. Recule. D'ailleurs, viens là où je suis. Alex, d'ailleurs, je commence à monter au dernier. Ouais. Comme ça, au moins. Regarde la table, ah, tu vas. Oui, d'accord. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va, Loïc. Pas de soucis. Comme ça, au moins, le temps que attends, vous cherchez. Reviens, Flo. Ah, ouais, non. Je suis parti, mais. Faut que tu regardes la nouvelle zone, nouvel endroit. Donc, c'est près de la cascade. Près des larmes. Ok. De l'île. Ça marche. Les larmes de l'île, ouais. Attends, mais c'est quoi le. C'est un bateau, le. Non. Non, mais c'est juste, regarde, en fait, tu vois le cercle là, c'est l'endroit où tu dois creuser, ouais. C'est tout. Ok. Et tu as la cascade en indice qui est facile à repérer. Non, c'est bon pour vous, vous me dites pour que je fasse le dernier médaillon. Ouais, bah là on est près de la cascade, j'attends que Flo il creuse. Hop, c'est pas le bon endroit. Non plus. Toujours pas. Attends, je vais retourner voir. Ou alors c'est plus vers là. Non, toujours pas. Attends, je vais retourner voir. Faut que tu fasses chaud, froid. Ah, il va y arriver. Mais tu chauffes. C'est vrai, t'arrives. Il était assez chaud, mais pas trop. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai compris. C'est chaud. C'est genre, ça, voilà. Et non. Non. Toujours pas. Quoi, gros? Par contre, ce qui est agréable, c'est que les squelettes sont plutôt. Tu te rapproches, mais tu sais pas encore. De coup, ils sont morts, c'est assez agréable. Ouais.
T'es tout prêt, mais t'y es pas. Tu refroidis. Il faut que t'ailles sur le cercle qu'il y a sur le dessin, sur l'image, t'as un cercle. Ah, t'es un peu plus chaud là. Ah. Nickel. Bah, vous me dites dès que vous avez placé le troisième. Hop. Bah, Flo vient de le récupérer. Ouais. Parce que moi je vais avoir des squelettes qui vont sortir, du coup ça va être un peu le combat. Mais... Et là, le dernier. C'est bon, tu peux y aller, il a creusé. C'est affiché. Alors celui-là il est un peu plus chiant parce qu'il est en haut de l'île, donc tu le trouveras pas facilement. C'est pour ça que Loïc il est en train de le faire là. Il est déjà sur place. Ok. Pour les copains. Ou... Ben non, c'est que depuis tout à l'heure elle touille la Ah pointe. Ah ben. Là non, dans. En fait, si tu veux, là. À la limite, Flo, ce que tu peux faire, c'est que tu laisses le jeu tourner. Redescends, Flo, redescends. Juste pour te valider la quête, quoi. On te montre ce qu'on récupère et nous, on va l'amener. On va le ramener. Toi, tu laisses juste le jeu tourner, comme ça, tu valides. Ouais, c'est gentil, les copains, je suis désolé. Reviens juste dans la cave, au moins, tu vois ce qu'on récupère. Allez, ça roule. Allez, là, il a mis le dernier truc. Au top. Et là, en fait. On récupère ça. Ok, d'accord, cool. Et ça, en fait, on va la ramener là où on a ouvert le livre au début. D'accord, à l'avant-poste. On va la ramener. D'accord. Ouais, la coupe. Le comment la coupe. Ramener la coupe à la maison. C'est ça. Exactement. Ben merci beaucoup, les copains. Je suis désolé de vous laisser là, mais. Ouais, voilà, mais c'est non, pas non, grave. Y a pas de soucis. Allez, ça va. Bon appétit à vous deux. Les copains. On se fera une partie une prochaine fois un peu plus tôt. Ne quitte pas le jeu maintenant, histoire qu'on te valide la quête. Ça marche, allez. Bisous. Ça va. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao. Ah mais du coup ça lui a quand même créé un point de sauvegarde. Ouais. Ouais, donc même s'il venait à quitter, du coup. Il pourrait reprendre. Après, je sais pas trop comment ça marche les points de sauvegarde parce que je sais que. Sais pas non pas. Peut-être que tu te retrouves avec les trucs dans la cale ou il faut que tu retournes sur lui. Techniquement, tu vas dans la. Sur le. Merde, comment ça s'appelle. La table du. Ouais, capitaine. Et là, oui. Tu dois avoir le truc Shardbreaker, restaurer une sauvegarde. Oui, oui, alors oui, après oui. Je sais pas si la sauvegarde elle est restaurable quand tu quittes le jeu ou si c'est juste mais genre t'as merdé tu la restaures quoi. Y'a du monde derrière. Ouais j'ai envie de faire un truc là. Il a tout perdu. Ah tu les as loupés je crois. On est trop le bateau est trop. ah mais regarde, au moins ils s'éparpillent, ils ont compris. Tir de sommation ils s'écartent. Comme les manifestants. Les distances de sécurité 1m50 les gars. Ouais, comme dans les magasins plus, ouais, je dirais plus les manifestants après les tirs de sommation des gens. Ah merde, attends, j'ai complètement oublié de tourner la. Ah, j'ai oublié de tourner la barre. Ouais, ça va aller, on dirait. Ah non, ça va pas. Oui, bah ça va aller. Non. Bon, bah je suis aux réparations. Bah oui. Du coup, Flo il veut pas le faire. Je sais pas où il est sur l'île du coup. Il est là où il y avait le Shardbreaker. Ah, il va peut-être mourir. Il y a moyen. J'espère qu'il va pouvoir valider la quête même s'il est dans le monde des morts. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, oui. Normalement, ça valide quand même parce qu'il est dans l'équipage. Ça valide. J'espère que ça va le valider. Par contre, du fait qu'il soit en mode. En AFK, quoi. Du coup, AFK, va... ça dépend combien de temps ça vous allez mettre, quoi. Ah ben va falloir qu'on se dépêche. Sud-ouest Loïc. Ouais, c'est le gros bout de caillou qui est en face de moi. C'est Plunder. On va se dépêcher, on va aller vite. Pourquoi? Bah parce que je sais pas s'il reste trop longtemps à FK, est-ce que ça va pas le déconnecter du jeu? Je crois que c'est 10 minutes. 10 minutes? Bon. Je crois que c'est 10 minutes. Parce que l'autre fois je crois que pendant 5 minutes j'avais pas touché ma manette et il s'était rien passé. Ça s'était rien je sais passé. Pas si c'est pas 10 minutes. Ok, bon bah on va voir ça. Puis, ouais, je t'ai dit ça. Il mange super après, tôt. Franchement, le temps d'aller. Quoi?
Ils mangent tôt ce soir, tous les deux. Alors oui, ils mangent tôt, ils m'ont expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, à midi, ils n'ont pas mangé. Ah, alors oui, je comprends qu'ils aient faim. Quelle idée aussi. Ils n'ont pas mangé à midi et du coup, bah, ils commencent à avoir super faim. Et puis en plus, comme bah, ils ont oui. envoyé une fondue, bah, c'est vrai que la fondue, tu peux pas non plus quand tu l'as commencé après. Est-ce qu'ils ont pas... Bah, ça... Est-ce qu'ils ont pas fait exprès de pas manger à midi pour bien se bourrer ce soir aussi? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense. Parce qu'une fondue, comme ça, tu en fais cul, tu en fais pas souvent et au moins là, si tu l'as fait, tu te remplis bien la panse. Je ne sais pas, c'est tout à fait possible. Ah, ça se prépare une fondue, hein. Ça, ça se prépare, oui. 3 jours à l'avance, tu manges salade tous les midis. Tu bois un verre d'huile pour que ça glisse bien. C'est ça, pendant une semaine. Et après. Mais là, n'empêche que là, ils m'ont, là, n'empêche qu'ils m'ont, retourné, le... Ils m'ont retourné le cerveau parce que c'est vraiment ça, c'est vrai que là, du coup, ça me chauffe. Ça te donne envie de manger une fondue? Ouais, bah, il faut habiter à Aix et il faut aller au truc. Là. Mais ouais, après, je. Ouais, c'est vrai que dans le. La maison non, mais, des fondues, attends, là, la maison au fromage. Tu reçois le truc, je suis désolé, mais. Quand on parle du lot. Tout dur et tout, quoi. C'est le Momo. Putain, le mec débarque. Comment il va? Comment il va? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas le Covid? La gueule de bois? C'est une pathologie différente, la gueule de bois. Comment tu fais pour avoir la gueule? T'as fait la soirée? T'as fait une soirée hier soir? Ouais, il y a Geoffrey et Thibaut qui sont de sa maison. Mmh. Ouais, bravo. Alors, t'as un chat, Alexis? Oui, ça y est. C'est sur Loïc, il y a Lille qui est devant nous. Faut que t'ailles à gauche. Droite ou gauche? Droite. Là, je vais regarder le grand prix. T'as vu l'accident au début? C'est gauche. Ah ouais, j'étais en direct. T'avais l'accident? C'est ma mère qui m'a envoyé un message. Elle me dit regarde l'accident de Grosjean là. Je fais putain, mais c'est ouf hein. Là, il s'en sort bien. Putain, je pense qu'il peut remercier sa petite étoile parce que je pense que tu. N'importe qui, entre guillemets, dans une voiture qui serait pas. Mais la voiture, elle est en deux. Ah, et la voiture, elle s'est coupée en deux. Puis après, elles sont faites exprès pour se casser, mais. Pour que la cabine du pilotage ouais, reste indemne. Elle a explosé quoi. Ouais, mais bah, il y a eu un attentat. Comment ça, il y a eu un attentat? Hein? Le gars, il essayait d'éliminer la concurrence. Ah, oh, oui, putain, j'ai cru qu'il y avait eu un vrai attentat. Non, en fait, c'est encore un coup des Russes. Et tu nous apportes des nouvelles comme ça en plein live. Bah attends, je peux regarder Google peut trouver un attentat, je suis sûr. C'est quoi comme mission? On a fait le soul breaker. C'est hardcore quand même. Mais il est parti manger sa famille. Google peut me trouver un attentat. Bon, je regarderai peut-être tout à l'heure, mais je pense pas. De quoi? Bon, je regarderai peut-être tout à l'heure, mais je pense pas, je sais pas encore. Bah tout à l'heure putain, je pense il y a un Américain, c'est un vrai fils de loutre hein. On va tout à l'heure on va faire un il faut que tu ailles à droite encore Loïc et c'est juste au bord. Il y a un mec, il a fait un attentat économique, il a acheté 200 PS5 et il les revend maintenant comme il y a la rupture de stock, il s'est déjà fait 30 000 dollars de bénéfice. Ouais, mais il y a pas que lui qui en a acheté, il y a des groupes qui ont utilisé quoi, des bots. Oui, ce soir on va sûrement se faire un Scribble, le jeu du dessin là. Ah ouais, je vais voir. Comme ça c'est tranquillou. Sur mon état de forme. Ah, j'ai baissé une voile. Bon, bonne navigation. Bah oui, bah là on va. On a bientôt terminé là. On ramène les coffres pour valider la mission de Flo. Et on ramène la coupe à la maison. Bah du coup, on a plus de coupe là. On a récupéré quoi? Ah oui, le short breaker. C'est toi qui l'a ramené, Loïc? Ouais, dans la cale. Ah. En plus, je crois qu'il y a eu un fait divers aujourd'hui. J'ai cru lire un truc. Ouais. Bon, tu me diras, il y en a tous les jours, mais... Oui, il y a tous les jours des faits divers. C'est normal, c'est un peu la saison. Bon, Dieu, cette bande de comiques. Vous voyez quoi, merde? C'est la saison. Mais il avait pas mis une émeraude dans le coffre? Mais non, mais si tu peux pas, ça se pose pas dedans, hein. Si, tu peux mettre des choses dans les coffres. Oui, si, tu peux mettre des choses dans les coffres. Dans les coffres au trésor. La dernière fois que j'ai essayé, c'est passé au travers. Mais, vous avez laissé. Ouais, c'est ça, vous avez laissé nos enveloppes ouvertes. Bah, ouais. J'ai pas vérifié, et à mon avis, j'ai ramassé le coffre, et à mon avis, il a juste posé à côté du coffre. Ah non, c'est pas le bon coffre, peut-être. Attends, parce que moi, je l'avais mis dans la cave. Donc, j'en ai un dans les mains. Moxine. Qui est Moxine? Hein? De quoi ça parle?
Bah, ça doit être quelqu'un qui regarde le live mais qui parle jamais. Ok. C'est pas la première fois que je vois Maxime. Ah, bah, elle est là, l'émeraude. Donc, il avait bien mis dans le coffre. Il est plus haut level que moi, grrr. Mais souvent, quand je lance des lives, il y a. Il ou elle est là, je sais pas si c'est il ou elle. Et du coup, après, je sais pas si elle laisse pas le live. Après, c'est peut-être quelqu'un de. Je sais pas, écoute. Oh, tant pis, c'est pas grave. C'est juste parce qu'elle a un plus haut level que moi et je trouve ça. C'est moi, le Yankli. Ah non, du coup, il y a Omega. Mais. Ouais, alors ça m'a fait très très plaisir. C'était très très cool. Il était passé une fois pendant que je jouais à Sea of Thieves et il nous avait donné des conseils. Et je me souviens plus de ce qu'il m'avait donné comme conseil. Mais c'est peut-être parce que c'était. Il m'a donné un conseil entre 1 et 100. Aujourd'hui, oui. Alors celui-là. La dernière fois, il m'en avait donné un autre. Mais je sais plus. Je crois que c'était un truc. Mais ça devait être un truc tellement évident, tu vois, que j'avais pas capté. Et du coup, comme c'était tellement évident, bah, aujourd'hui, je trouve ça tellement normal que je m'en souviens pas. Bon, du coup, il a validé sa quête là. Bah attends, on va attendre que ça finisse de parler. Comme ça, on est sûr que c'est bien validé. C'est pas validé, ouais. Du coup, je sais même pas s'il est mort ou pas. Ben c'est ça. Alors il faudrait mourir en fait pour voir dans le bateau des morts s'il y est. Après, s'il est resté dans le la taverne. Là, en tout cas, on n'a pas eu comme pas quoi Mozorg avait été. Était parti. Qui a quitté l'équipage. Non, il est toujours dans mon équipage. Donc, déjà, il est toujours là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qui ? Il suicide. Moi ah merde, il a quitté. Oh putain. Ah attends, on vient juste d'avoir le fric. Alors est-ce que par chance il l'a eu? Mec, oh, non. T'as 1 150 000. Fin de l'histoire. Et juste après le fric. Pièces noires, mais c'était ouf. Oui, j'ai beaucoup de sous. Oui, oui, oui. Je crois que ça. Soit ça l'y a validé. Soit ça l'y a pas validé. Ah, rien du tout. Je pense que ça a validé, c'est juste qu'il va recevoir ses pièces quand il se reconnectera. J'espère pour lui, ouais. Oui, vu qu'on a donné le Shardbreaker, bah, 24 000, c'est parce qu'on gagne normalement quand on l'a fait la mission. C'est énorme, 24 000 pour une mission. Après, peut-être qu'on gagne 24 000 parce qu'on a déjà tout débloqué, qu'on a déjà toutes les promotions. Ou peut-être parce que c'est un week-end spécial, non? Ah, il n'y a pas un truc comme ça? Je sais pas, je vais événement. Voir. Test journalière. Terminer n'importe quelle fable du Shard of God pour gagner une récompense en or. Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est ça, pour obtenir un gros bonus d'or. Donc oui, c'est ça. Bien, bien vu, Benoît. Je sais. Non, mais c'était obligé parce que 24 000 pour une quête aussi banale, faut pas déconner non plus. Waouh, aussi banale, c'est quand même la première quête du Shardbreaker. Hein? Bon, ben voilà. Ça brûle dans le bateau, je crois. Ouais, t'as essayé de te tuer, je crois. Ah non, non, j'ai pas essayé de me tuer. Ah, ça y est, je commence à voir les flammes apparaître sur le dessus du bateau. Ah, on voit la fumée aussi. Ouais, il y a la totale là. En train de bouffer un fruit en m'attendant ça. Ouais. Bah écoute, faut bien se remplir la panse. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là. On revient un peu plus tard. Disons, on va y voir 21h. C'est bon pour vous. Toi, tu peux pas venir, Benoît? Non, moi je travaille demain. Ah, tu pourras pas venir un petit peu? Moi, je pense qu'à 20h, je vais avoir mon coup de téléphone. Et que après, je vais manger. Et que après, je vais aller dedans. Levé à 5h du matin. Donc à 21h tu feras dodo, tu pourras pas faire un petit peu de scribble. 22h je ferai dodo, mais il faut encore que je fasse du coup la paperasse pour mon téléphone et tout. Ok. Après on va faire du scribble, hein, c'est pas non plus. C'est comme tu veux. Ouais, justement, non, faut quand même, parce qu'après je serai excité avec tout le monde qui va parler. Donc, excité carrément. Carrément, tu vas être excité.
Oui, parce qu'il y a des gens qui vont s'énerver. Déjà, s'il si y a le Bayou, bien sûr que ça va être déjà ça va prendre un peu level. Ça va. Bon, ben comme tu veux. Bah, du coup, on se dit à bientôt. Ouais, bah, je... la prochaine fois, ça sera pour. Si on fait un petit bac, je serai chaud. Un petit ? Un petit bac. Ah, oui, c'est vrai qu'on n'a pas, on a pas fait le bac. Bah, dès que tu es dispo, on se fait ça. Bah, je suis dispo mardi, mercredi, jeudi. Non, peut-être non, pas jeudi. Vendredi, samedi. Le soir, hein, tu parles. Ouais, je bosse lundi, je bosse lundi et vendredi en fait. Ok, ouais, donc mardi soir 21h, on essaye de chauffer du monde et on se fait ça. Yes. Allez, c'est cool. Bon, ben, des bisous Benoît, des bisous le bouquet tout à l'heure peut-être, et des bisous le live à tout à l'heure, j'espère.